Madame Brigitte Kafia-Lemago, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice de la coalition des 14 partis politiques. Vous avez été invitée en début de semaine sur Conakry et puis à Accra. Dites-nous les raisons de ce déplacement. Ben, vous l'avez dit, nous avons été invités par les chefs d'État guinéens et ghanéens à une rencontre. Au départ, nous n'avions aucune précision sur l'ordre du jour des discussions que nous allions avoir, mais nous avons supposé qu'elles auraient trait au processus qui est en cours et qui devrait nous conduire vers le dialogue. Et effectivement, quand nous sommes allés à Conakry, le chef d'État nous avait indiqué qu'il nous a fait venir pour que nous fassions le point sur les mesures d'apaisement. Il a réitéré sa détermination à aider à la résolution de la crise togolaise et a rappelé qu'il souhaite intervenir uniquement dans cette phase de recherche d'apaisement pour créer des conditions de discussion sereines. Alors, nous lui avons fait le point de ce qui se passe. Nous avons dit qu'un certain nombre de mesures ont été prises, mais que malheureusement, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a apaisement, puisque en ce qui concerne les détenus, tous n'ont pas été libérés, mais encore, il y a de nouvelles arrestations qui s'opèrent. Nous avons expliqué qu'à Dapan, à Mambo, Bafilo et Sokolé, à ce jour, les mesures annoncées ne sont pas effectives. Le droit de manifester n'est pas encore, n'est toujours pas encore effectif à Mango, Bafilo et Sokolé, où on nous a refusé trois fois le droit d'organiser une manifestation. Nous avons dit que le dispositif dont on dit qu'il a été allégé, en réalité, il continue d'être un frein, puisque le conseiller spécial du président du BNP, Ouro Diba, a failli se faire arrêter après l'annonce des mesures d'allègement. Les militants de l'opposition sont toujours harcelés, font toujours l'objet de harcèlement. Et nous avons constaté quelque chose de très grave, c'est l'implication de militaires dans l'encadrement des manifestations et le fait que les jours de manifestation, on les voit un peu partout dans la ville, ils empêchent les manifestants de se rendre au point au point de ralliement pour le début des manifestations. Et donc, ayant fait tout ce point, le président a estimé que notre conflit commençait à trop durer et qu'il fallait prendre des dispositions pour que nous puissions, les mesures d'apaisement étant effectivement prises, aller rapidement au dialogue. Et les discussions ont été soldées donc, par ce communiqué qui est rendu public et dans lequel le président guinéen, après consultation du président ghanéen, a proposé du 23 au 26 janvier pour la tenue du dialogue et a demandé à cet effet aux autorités togolaises de prendre rapidement les mesures pour que si cette date convenait au président ghanéen en définitive, pour que nous puissions aller au dialogue. Voilà donc ce qui s'est passé à Conakry et au Ghana. Nous, il faut dire qu'avant de rencontrer le président, l'ambassadeur de Guinée au Ghana a été reçu en audience et a remis au président ghanéen
comme le président guinéen l'avait annoncé, lui a remis le communiqué et lui a donné certainement des explications sur les discussions que nous avons eues à Conakry. De sorte que nous, la tâche nous était facile quand on a été reçus. Le président nous a dit, voilà, je viens de recevoir... Le président ghanéen. Le président ghanéen nous a dit, je viens de recevoir l'ambassadeur de Guinée qui m'a transmis le communiqué qui a été pris. Et il nous a posé quelques questions et puis il nous a dit, très bien, vous aurez de nos nouvelles très prochainement. Voilà comment les choses se sont déroulées. Je veux dire que ce que ça nous a permis de constater, encore une fois, cette visite, c'est que contrairement à ce que laisse entendre le régime, nous avons rencontré deux dirigeants qui sont vraiment préoccupés par la situation du Togo et qui sont décidés à jouer un rôle pour y mettre fin. Ils ont conscience de ce que la situation est à un niveau de gravité tel que on ne peut pas abandonner le peuple togolais à lui-même. Et il s'agirait, et c'est ce que nous avons dit, heureusement qu'ils ont cette conscience-là. Autrement, une position qui consisterait à se désengager pourrait être considérée comme un non-assistance à peuple en danger. Et c'est quelque chose, ce serait quelque chose d'extrêmement grave.